Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode de Pokémon Insurgence. La dernière fois, nous avions vaincu la Team Aqua, je sais plus comment il s'appelle, je l'ai totalement oublié, avec Audrey à leur tête là. En fait, le gars Deoxys, le gars qui a été infecté par le virus Pokémon, est venu et a ramené Damien. Et grosse révélation, Damien est en vérité le fils d'Audrey. Sauf qu'Audrey est morte, écrasée par Kyogre. C'est joyeux, Pokémon, hein? C'est joyeux. C'est Pokémon Insurgence, de toute façon, on était prévenu au début du jeu que ça n'allait pas être joyeux. Et toi, arrête de gonfler. C'est pas bien de ronfler. Faut pas ronfler. Tu peux dormir, mais tu ronfles pas. Sinon, on t'entend. Et après, on n'entend plus rien. Et c'est gênant. Allez, allons-y. Du coup, on nous avait ramené dans cette ville, j'imagine, ouais, dans la non, si, dans la ville de la championne normale. Ouais, la ville de la championne normale fée. Parce qu'elle voulait nous parler. Donc du coup, on va essayer de trouver le taxi. Taxi. Il est où le taxi? Si je trouve le centre Pokémon en premier, ça passera aussi. Non, là-bas, c'est la reine. Enfin, pas la reine, mais la courte, voilà. Centre Pokémon en premier. Hein. Hop. Voilà. Alors. Non, voilà, il est là. Ouais. Là-haut, à Klepper City. Ouais, Kepler, pardon, pas Klepper, Kepler. Bref. As-tu vu les creeps à l'entrée? Ouais, enfin, toi tu me bloques le passage surtout. Bon bah allons-y. Ah, là il y a du monde, du coup. Freshwater, comme d'hab. Bah du coup on connaît le chemin. Hein. Alors déjà lui, on va le combattre. Mais sinon on connaît le chemin. Oh! D'accord. Ouais, ça mérite une colère. Et Lucifer est confus. Et ils font un Night Slash. Et il se fait mal. Et encore un Night Slash. Et ils sont en colère. Et il est KO. Et c'est gagné. Et non, je ne retourne pas au son Pokémon, j'ai des potions. De toute façon, maintenant je gagne assez d'argent pour avoir à dépenser sans compter. Viens me battre, toi. C'est vrai que je suis pas trop fait pour combattre les Pokémon de type acier. Surtout avec une putain de défense. Pourquoi ils me font mal? Payback. C'est. Ah, Kuba, peut-être. Oh, peut-être qu'elle l'a lui. Et peut-être que c'est son méga Pokémon. Bah non. Non, je me suis déjà battu contre quelqu'un qui avait ce méga Pokémon. C'est Nora. Ils vont pas mettre un méga Pokémon déjà pris par quelqu'un dans une équipe. Ils sont pas bêtes à ce point-là. Vu que c'est des créateurs de jeux. Non, c'est bon. Vu que c'est des créateurs de jeux. Qui sont fans de jeux en même temps, pas des simples créateurs de jeux, ne doivent pas avoir fait cette connerie et diversifier la chose. J'imagine. Alors qu'il n'y a peut-être pas d'autres. Si, il y a Megastilix, il y a Megalucario. Je veux dire, il n'y a peut-être pas d'autres Pokémon acier ou électrique de Mega, mais si, il y a. Donc, remarquez, il est plus de type électrique quand même cet endroit, donc. Allez,
Stylix, pour être pas mal. L'Empérois, alors c'est même pas la peine de leur faire des attaques sol à eux. Je l'apprends souvent mes dépens, et je l'oublie. Du coup j'essaie de plus l'oublier. A chaque fois que je les vois maintenant, c'est pas de type sol sur eux, pas de type sol sur eux. Level 86, j'imagine qu'au prochain épisode, si j'ai le temps, cette fois-ci, normalement c'est bon, j'aurai le temps, ils seront niveau 90 les Pokémon. Alors, reste-t-il des combattants, toi? Arcane encore. Payback, c'est pas Kuba. Sinon il attaquerait en premier. Quoique Arcaudong il est lent. Même pour un Kuba, je trouve, ça marche pas. Non, Phantom Force, c'est mieux. Son. Et électrode. Ça. Ah, statique. Et bah ça mérite un. Où est-ce que j'ai foutu ça? Je sais qu'il y a un truc, mais voilà, paralyse. Il y a la totale son aussi, ça je sais. Mais je me suis dit, un truc de paralysie, c'est beaucoup mieux. Utiliser un total son tout de suite, quoi. Ah là là, Anastasia. Bien, bien, bien. Mais regardez qui voilà. Le héros qui a lui tout seul fait tomber la Team Abyssal. Voilà, la Team Abyssal. Mais je dois l'admettre, tu es impressionnant. Tu as toute ma gratitude. Et celle de toutes, de tout le monde dans la ville. Lugia est parti après, s'est calmé après que Audrey ait disparu. Les tornades ont disparu. Et ça a nettoyé toutes les rues de l'eau. Tout est bien qui finit bien. Oula, c'était un accent du sud que j'ai fait. Mais ne faisons pas attendre plus longtemps. Tu es venu pour la bataille, face au champion, n'est-ce pas? Laisse-moi me présenter à nouveau. Mon nom est Anastasia, le leader de l'arène de Kepler. Le thème de mon arène, les machines. Et donc je suis spécialisé dans l'acier et l'électrique. Je dois l'admettre, je suis assez excité pour cette bataille. Je veux dire, ce n'est pas tous les jours que l'on peut affronter quelqu'un qui a démantelé un culte à lui tout seul. Mes Pokémon et moi travaillons dur, comme des écrous. Tu as peut-être battu Audrey, Frank, mais tu ne feras pas le feu face à moi. Oh, 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 cette femme. Qui? Ah, tout cela. Me disait c'est qui ce. Mais en même temps, il y a qui? Non. Et Clef, je me disais. Clé, qui, ké, qui, bon. Full restore, j'aurais dû utiliser un total soin. Le temps que j'y étais. Allez, on passe à l'outrage. Ah, ça n'a. Ah, il est type fée. Bon. 7, vas-y. Séisme. Ah. C'est bon. Disparaît de ma vue.
J'ai cru que ça allait bugger. Alors là, c'est même pas la peine de laisser lui. Pour un... Ah bah, pour Zaylon. Type spectre électrique. Oh! Type O et spectre maintenant. Je crois. Non. O électrique. Au revoir pour Zaylon. Je l'ai pas assez entraîné pour ça. 7, à ton tour. Retourne-y. Elle avait tout prévu. Sérieux? Sérieusement? Elle a un truc pour résister en plus au séisme et tout. Ça va être plus difficile que prévu. Bon bah d'abord... Voilà. On va devoir affronter la colère de mon Lucifer. Elle avait un ballon, forcément que ça marchait pas. Oh! Et il a un ballon également. Le ballon est tombé. Ouais, c'est ce que je me disais, ça allait le mettre KO parce qu'il a un bouclier, il a enlevé son bouclier. Il est passé en mode assaut. Métallos. Gaïa, à toi. Ah, c'est un méga métallos qu'elle a. Très bien. Ah. Piste au point. Elle va le soigner, j'imagine. Ouais. Petit coup de boule. Je pourrais pas le mettre KO. Autant faire revivre 7. Au cas où elle a encore un soin, vous voyez. C'est pas... Ah, à chaque fois je suis sur sac. Non, c'est bon. Voilà, 100 méga Pokémon vaincu. Elle renvoie le plus chiant. Si je me ferai pas avoir, outrage. Et enfin, Magnézone. Hop, ton ballon, je le pète. Lumino canon, rien à foutre. Voilà. Sois pas trop excité. Ta change a joué beaucoup dans cette bataille. Merveilleux. Non, sérieusement. C'était un merveilleux combat. Hop, le badge de circuit. Et je dois te donner une capsule technique, n'est-ce pas? Tiens. Thunderbolt, c'est tonnerre ça. Tonnerre est très important pour peu importe pour le dresseur Pokémon. C'est une attaque électrique très générale qui est souvent utilisée. Je suis très occupé sur un projet au travail. Je serai au niveau de mon boulot en sous la gym si tu as besoin de moi. Ne viens pas avant un petit moment. Je travaille sur quelque chose de très privé. Bon bah voilà. On a vaincu le champion électrique. Ce qui veut dire que les Pokémon m'obéissent maintenant jusqu'au niveau 80. Hein. Attendez, j'ai combien de badges?
5? Ouais, 80 sûrement. Sûrement 80. J'ai pas envie de dire de conneries, c'est pour ça que je dis sûrement 80. Alors, que se passe-t-il maintenant? Quelqu'un vient me voir? Non? Ah. Quelle drôle de place pour mettre un workshop. Oh! C'est là qu'est son workshop. Bon, on va le soigner d'abord quand même. Parce que les pauvres petits Pokémon... Mais le gars de la Team Perfection est donc venu. Va falloir en terminer avec cette Team Perfection. Hein. Elle me casse un peu les couilles. Malgré que le gars, je le respecte, le chef... J'aimerais savoir ce qu'il fait parce que... Très bien, Tain. Ta commission est finie. Je m'en tape les mains. Je ne veux pas... avoir avec un culte bizarre comme le tien. 1 million de Pokédollars n'est pas assez pour ton banque Pokémon, a priori. C'était tout. Maintenant, montre-moi le truc et je paierai. Très bien. Oh, me dis pas que c'est une traîtresse. L'Arbule a été confectionné spécialement, comme tu le voulais. Ça augmente la puissance défensive d'un Pokémon qui le met. Il a fait beaucoup de recherches. Le seul Pokémon que tu peux mettre, eh bien, c'est ses clans. Harmony me l'a dit que tu avais déjà Kyurem à Sun Touch City. Espères-tu que j'ai Zekrom de mon côté? J'en ai rien à faire, si tu le crois ou pas. Mais la vérité, la vérité. Bon travail. L'armure semble vraiment fonctionner. Incroyable. Il y avait entendu des histoires à propos de Zekrom, mais il n'y en avait jamais vu en vrai. Comment as-tu capturé les deux Pokémon légendaires? Plein de personnes ne les ont jamais vus dans... durant toute leur vie. Master Ball. Beaucoup, beaucoup de Master Ball. Je n'essaie pas de les convaincre de nous rejoindre. Est-ce que tu as déjà vu comment les autres cultes opèrent? Eh bien, ils leur demandent juste de rejoindre. Mais ça n'a pas vraiment de succès. Le sens commun. Tout ça. Une Pokéball très puissante a plus d'efficacité que tout ça. Bref. Il semblerait que ça y va. Est-ce que tu as d'autres armures aussi que nous avons commandées? Oui. Anastasia, hé! Oh Léon, Franck, mais que faites-vous ici? Comment êtes-vous entré? J'ai juste poussé la porte. Elle était gardée par rien du tout. Oh. Pourquoi êtes-vous ici? Tu ne devrais pas être à ton arène? Je viens parce que mon ami me l'a dit. Il était... ton ami? Tu veux dire Richard, n'est-ce pas? Toi encore? Reste loin de moi. Je ne sais pas qui tu es. Mais tu ne poseras jamais la main sur eux. C'est... adorable. Quel brave gamin. J'apprécie vraiment tout ça. Que tu sois venu. Ça me sauve des problèmes de trouver Richard. Moi-même. Cependant, gamin. Le titan de la région d'Unova, de Unis. Zekrom. Le dragon de l'idéal. Maintenant, et maintenant entouré d'une armure protective. Il est plus puissant qu'il n'a jamais été.
C'est une fusion parfaite entre un Pokémon et une machine. Zekrom, t'as rejoint ? Pourquoi a-t-il choisi de rejoindre des forces comme les tiens ? Il ne l'a pas fait. Enfin, il n'a pas fait. Je l'ai attrapé. C'était vraiment facile de faire obéir un Pokémon lorsque je l'avais attrapé. Tu es un monstre. Et pourquoi n'essaies-tu pas de m'arrêter ? Oh, à propos de ça. Un double ou rien. Une bataille entre nous deux et vous deux. Un duel entre dragons. Le gagnant prend tout. Cependant, bien sûr, tu n'en as rien à faire de ce qui arrive à Zekrom. J'en ai à faire. Mais tu dois retirer l'armure. Ce n'est pas juste sinon. Eh bien non. Ah, c'est dommage. J'étais si bien parti. Non, je vais le faire. Reshiram, sors. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais... je ne vais pas te laisser marcher sur moi, cette fois-ci. As-tu vraiment dit ça? Très bien. Zekrom, écrase-moi cet insecte. Reshiram, attaque! Il ne prend aucun dommage. Zekrom, ça commence à être ennuyant. Finis-le. Reshiram, non, tu vas bien? La victoire est à moi. Il semblerait qu'un Pokémon légendaire avec une armure serait capable de battre un sans armure. C'est vraiment très indicatif de l'armure, si tu veux mon avis. Tu as envie de tester la théorie, Franck? Penses-tu être capable de battre une parfaite combinaison entre la science et les mythes? Eh bien, ramène-toi. J'ai envie de te faire payer pour ce qui est arrivé à Helio City. Vas-y, ramène-toi. Je veux voir un peu ce que je peux faire face à une machine et un Pokémon légendaire. En plus, sa musique, elle est bien. Gouré. Phantom Force. Zekrom. Avec une armure. Oh oh oh! Il est beau. Mais ça suffira pas. Ah oui. C'est défensif as fuck. Parce que c'est défensif simplement. Et attaque. Ce n'est pas défense spéciale et attaque spéciale. J'imagine. Ah bah non. D'ailleurs, colère c'est attaque normale. Donc mon Dracofeu est pété. Enfin, en même temps, il est level 86. Une sur QRM, encore un outrage. Hop. Est-ce qu'il va sortir Reshiram? Ce serait marrant. Charizard. Dracofeu. Très bien. Y ou X? X. Ouais, j'avais pas vu. Il se fait mal. Dragon Claw. Aïe aïe aïe. Voilà, ça devrait le finir. Faut vraiment en finir avec ce culte. Hein. J'espère que le prochain avec lequel on va en finir, ça va être lui. L'attaque colère qui défonce tout. L'armure semble avoir quelques glitches. À améliorer. Ça a montré le potentiel, mais ce n'est pas encore complet. Orion, n'est-ce pas? Tu veux revoir Reshiram? Visite les ruines du dragon à Senate City. J'y serai. L'humanité et les Pokémon sont deux côtés d'une même pièce. Ils peuvent faire une unique chose que l'autre ne peut pas faire. Si nous combinons les talents entre les gens et les Pokémon, la perfection sera achevée. Ok.
Je suis désolé, mais quoi? Quelle merde. C'est la chose la plus folle que j'ai entendue de toute ma vie. Silent City. Anastasia. Est-ce que les ruines de Silent City peuvent être accessibles? Orléans. Tu n'es pas sérieux. Je le dois, Anastasia. Je dois récupérer Reshiram. C'était mon ami avant d'être un Pokémon. Il me supportait alors que la ville était tournée contre moi. Tu penses vraiment faux si tu penses que je vais l'abandonner. Eh bien, aujourd'hui était plein d'événements. Écoute, Franck, ne me juge pas à propos de l'armure. Je ne savais pas qu'il était un cultiste jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'avais jamais vu avant. Et si ça peut aider quelqu'un, j'ai quelques nouveaux prototypes. Mais c'est elle qui parle là. Pourquoi c'est pas si bleu? Ils ne sont pas parfaits. Mais ils font un bon travail. Si tu es intéressé. Bah ouais, vas-y. Oh, des armures pour les Pokémon. Mais j'ai pas ces Pokémon là. Et j'imagine que c'est là qu'on peut changer Motisma. Donc ça veut dire qu'on peut bien le choper dans le jeu, en plus. Là, ce serait le four. Non, c'est bon. Il peut apprendre certains trucs, mais bon. C'est pas intéressant pour moi. Et il y avait un autre truc que je pourrais faire avec elle. Ça augmente la défense un petit peu et tu es moins résilient face aux attaques. Ok. En gros, tu es plus puissant au niveau défensif. J'ai pas vraiment vu la différence. En même temps, l'attaque colère. Si tu résistes, c'est que tu es puissant. Bref. Bah, commençons à avancer pour la prochaine ville. Écoutez. C'est par où? Par là, j'imagine. C'est par là. Ah bah tiens, un dresseur. Il est type fée d'Eden, n'est-ce pas? Je vais pas me faire avoir. Puis je vais pas faire colère sur un Pokémon comme lui. Pas chez les deux. Je n'ai mis plus KO d'un coup. Il va vraiment falloir que je m'entraîne. Level 90, ça devrait être bon, comme j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon dans ce coin? On va pas trop avancer non plus, on est presque à 30 minutes. C'est bon. Milk Tank. Ah, on va voir s'il résiste. Il résiste. Attrapons-le. Il va être chiant, je le sens. Ah, c'est bon. Un peu comme le Carvana de tout à l'heure. D'ailleurs, faut que je retourne dans les souterrains pour attraper des Pokémon, moi. Allez, placé dans le machin. Et ça veut dire que je peux aller dans les profondeurs maintenant. Bah, je dois passer par les profondeurs, ok. Bah, si je peux trouver les Pokémon des profondeurs ici. Ça m'arrangerait. Genre Reliquante, le Crustabrick. Ils sont pas là. Ouais.
Ça aurait été trop beau. Je sais que je peux remonter là, mais ouais, non, je peux pas aller par là. C'est pas ici là qu'on remonte? Ah, c'est là. Y a pas de marque par terre, c'est bizarre. Bon allez, on va quand même arriver à la prochaine ville. Faudrait, au moins, avant d'enregistrer. Ce serait pas mal, j'imagine. Des écrémules, beaucoup d'XP. 1003. Ouais non, c'est bon. J'allais dire, est-ce que c'est Recra? Mais non, c'est pas Recra. C'est juste un dracologue, un vétéran. Ouais, dracologue, vétéran, c'est pareil. Outrage. Je me casse pas la tête. Juste en espérant que son prochain Pokémon est un type fait. Ça m'étonnerait. C'est vipère, j'imagine, ou un truc comme ça. Ouais, voilà. S'il y a un mangriffe, il y a forcément ses vipères. On va essayer d'arriver jusqu'à la ville quand même. EV, IV, tout ça, ouais. Putain, ça, les EV, les IV, tout ça, j'ai vraiment... J'y pense jamais, quoi. C'est le truc qui me passe au-dessus de la tête. Et pourtant, Dieu sait que je suis grand. Mais là... Déjà, il n'y a pas longtemps, j'ai compris ce que c'était vraiment les IV. Que je confondais tout, EV, IV, tout ça, moi je suis pas stratège. Hein. Je fais pas les combats en ligne, rien. Je participe pas à des tournois en ligne, rien. Moi tout ce que je veux c'est compléter le Pokédex, entraîner mes Pokémon niveau 100 pour le plaisir, puis voilà. C'est tout. Compléter le Pokédex au fur et à mesure des années, c'est ça qui m'intéresse moi. Vraiment. Découvrir de nouvelles espèces de Pokémon, tout ça. Démonter niveau 100 pour voir de quoi ils sont capables au maximum de leur puissance. Enfin, voilà. Vraiment. Après le reste... combat en ligne, tout ça, j'en ai rien à foutre. Et pourtant, j'ai gagné pas mal de fois quand j'étais petit, hein. Mais depuis que le combat en ligne s'est concrétisé, là... Quand j'étais plus petit, j'étais le plus fort de toute l'école. À la Game Boy. Vous savez, la Game Boy avec le petit truc qu'on branchait en haut, ou le fil qu'on se passait avec la Game Boy Color. Là, j'étais un des plus forts au combat Pokémon. Pour 33 minutes, on visite la ville. Ouh. J'ai peur de déclencher. Oh, des noix de rhume. Elle donne du lait. Du lait même. Et j'ai 200 000 Poké-Dollars, putain. C'est quoi comme ville ça? En fait. Nazca. Ok, c'est la ville de Nazca, ce n'est pas une ville. Oh, et un parc. Safari. Qu'est-ce que... Pourquoi ça avait un truc noir? Donc là, a priori ça a l'air d'être la suite de l'endroit. Pourquoi ça avait un truc noir? Oh, tu me donnes les... Ah, est-ce que vous voulez venir? Non, vous ne voulez pas venir? Oh, vous êtes pas drôle. Mais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, hein. J'ai peur de vraiment avancer parce que... Comme si... Comme si quelque chose est rentré en contact avec moi, j'imagine. Est-ce que c'est Damien? Qu'est-ce que... Tu vas bien. Ne panique pas. Je suis juste ici pour te parler. Tu es devenu une sorte de légende à l'intérieur du culte de Darkrai. Perséphone a placé un grand espoir, une grande prime sur ta tête.
Maintenant, tout le monde essaie de te trouver. Je ne suis pas intéressé par ça. Souviens-toi quand tu t'es échappé de la base, quand Darkrai a été invoqué. J'étais le cultiste qui était dans le cercle. Enfin, qui n'était pas dans le cercle. Faire en sorte que Darkrai vienne avec nous ne se situe pas à l'intérieur d'un rituel de sacrifice et tout ça, quoi, en son nom. Mais beaucoup de légendaires ne le font pas, en fait. Je ne serais pas surpris si Darkrai va sauver Yst à un moment. Perséphone et Darkrai, le but de Perséphone et Darkrai sont complètement différents. Elle ne veut pas d'un monde de domination, de contrôle. Elle veut juste la revanche. Et tu as besoin de l'arrêter. De ça. Bientôt, elle va trouver un moyen de contrôler tout ça. Si tu la laisses faire, un autre légendaire sera esclavagisé. Pas seulement ça. Mais la fille aux cheveux verts. Et la seule personne qui peut sauver ça. Je veux dire. Attendez. J'ai compris le secret de la fille d'Audrey. Je m'excuse de prendre ton temps. Crois-le ou non. Toi et Darkrai avez le même but. Passe la bonne journée. Attendez, donc ça veut dire que Nora serait la fille de Perséphone. Alors là, non, ce serait fort. Là, ce serait fort. Ce serait trop fort. Et moi, je suis qui? Je suis le fils du second augure ou son frère, je sais pas, un truc comme ça. Max Ripel, super Ripel. Ok, merci. Duskball. Je peux ramasser les... Non, je peux pas. L'intérieur de cette maison, il y a quoi? Je regarde s'il n'y a pas des Pokémon à échanger, hein, qui veulent nous échanger, hein, tout ça. Et j'imagine que là, c'est le parc Safari. C'est le parc Safari. On ira y faire un tour au prochain épisode. Bon. Eh bien, les amis. Sur ce, je vais vous dire à tous ciao à plus. Je parle juste aux derniers habitants de cette ville, vite fait. Hop. Et on va se donner rendez-vous au prochain épisode. J'ai pas vu ce que c'était. Oh! Par exemple? Non, ok. C'est juste des attaques que Florizarre, Dracaufeu, tout ça, enfin tous les starters peuvent apprendre. Et là... ça j'ai déjà parlé. Ok. Bon. Eh bien les amis, du coup, ciao à plus, hein. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de tout ça. Allez, salut à tous !